après des semaines de lutte, nous avons enfin réussi à éliminer Dracula. Mais le prix à payer est élevé. Quincy se meurt à nos pieds, et nous ne pouvons rien faire d'autre que l'accompagner dans la mort. Mina, elle, est sauvée, mais pour combien de temps? Le sang du vampire coule dans ses veines, et même si les traces sur son cou ont disparu, qui sait si elles ne ressurgiront pas un jour? Car si nous avons tous vu Dracula disparaître, aucun de nous ne peut dire avec certitude si nous avons vraiment réussi à vaincre le monstre. Jonathan, excuse mon écriture car ma main tremble. J'ai tant de mal à tenir ma plume. Ce matin, après ton départ, j'ai été prise d'une sorte de vertige. Je suis sortie prendre l'air et lorsque j'ai levé les yeux, j'étais à Carfax. L'ancienne demeure de Dracula m'avait appelé comme s'il était revenu et qu'il me voulait de nouveau. À l'heure où je t'écris, je ne peux plus contrôler cette force qui m'attire. Je prends le premier bateau pour la Transylvanie. Je sens que je dois retourner au château, je n'ai pas le choix. Je dois savoir ce qui m'arrive. Ne cherche pas à me suivre. Ta présence ne ferait que compliquer les choses. Pardonne-moi, Mina. Seward, mon ami. Mes craintes les plus profondes étaient justifiées. Ce matin, Mina a été prise de démence. Elle a décidé de partir seule en Transylvanie. Il semblerait que Dracula soit de retour. Peux-tu enquêter de ton côté à Londres pour savoir si la menace est réelle? Si c'est le cas, alors nous devons trouver de nouveaux alliés pour continuer le combat. Prends garde et sois prudent. Pour l'heure, je pars à la hâte sur les traces de Mina. Je n'ai que quelques heures de retard sur elle. J'espère la retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Jonathan. Soyez le bienvenu, étranger, dans ma modeste auberge. J'espère que ces deux rustres ne vous ont pas fait mal. Je sais pas quelle mouche les a piqués, mais enfin, vous devez avoir fait un long voyage et la nuit est déjà bien avancée. Réchauffez-vous près du poêle. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis dans ma cuisine. N'hésitez pas, vous êtes ici chez vous.